blogueuse. Je suis blogueuse et donc je fais un peu des interviews, je fais des interviews de stars, je suis vidéaste aussi en m'étant perdue parce que je suis étudiante de base. Donc je fais des vidéos, je fais un peu de jeux vidéo, je fais de l'interview, je fais des conférences, salons, parce que je fais aussi du cosplay, donc je fais des conférences, je fais des reportages photos parce que j'adore la photo. Il y a beaucoup de mélange dans mon blog et je pense que c'est une des choses qu'on file. Enfin, pour moi, il n'y a pas beaucoup de filles qui font des mélanges, donc du coup, je pense que c'est bien d'avoir quelque chose comme ça. Alors, la matière première de mon blog, c'est, en fait, à la base, je suis fan de la web-série Noob en premier. Et j'ai décidé au début de, via une page communauté pour les fans de Noob, je me suis dit, je vais peut-être faire une fanfiction, il n'y a pas beaucoup de fanfiction sur Noob en ce moment. Et je me suis dit, je vais peut-être faire une fanfiction. Moi, déjà, ça permettra d'écrire un peu parce que je fais du jeu de rôle à côté, donc ça permettra d'évacuer, de faire sortir mon imaginaire. Et je pense que ça sera quelque chose aussi qu'on voyait pas chez Noob. Et du coup, je me suis fait connaître grâce à ça, parce que de temps en temps, je postais sur le forum de Noob Online. Je me suis fait connaître grâce à ça, je les ai vus en convention, on a parlé, et après, au bout d'un moment, j'ai réussi à aller sur un de leurs tournages. Et donc on a parlé, ils ont vu, Fabien a vu ma fanfiction, il a signé, enfin, et donc grâce à ça, je me suis fait connaître là. Et depuis, je me suis dit, je vais me diversifier, et je vais un peu aller dans tout ce que les personnes font et regardent. Donc je vais aller faire de la vidéo sur YouTube et je vais essayer un peu de me diversifier parce que étant une fille, on ne voit pas beaucoup de filles sur YouTube. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire du gaming, je vais faire du reportage photo, je vais faire des salons, donc voilà. Alors cette année, il y a du vlog qui est sorti. Je pense que très récemment, je vais faire le reportage photo sur le TGS de cette année. Donc il va sortir, si je ne me trompe pas, si j'arrive à tout bien calculer dans les temps, d'ici entre une et deux semaines, si j'arrive à récupérer toutes les photos à temps. Après, il y aura le petit monde de Calice, donc c'est une série qui me tient à cœur aussi, qui me tient parce que je parle des coups de cœur que j'ai eus, je parle des choses qui me sont arrivées. Par exemple, la dernière vidéo, c'était dans un train. Il y a une personne qui a confondu ma tête avec une boule de nougat. Donc je me suis dit, je vais quand même la faire partager, c'est pas toujours qu'on croise ça. Et du coup, les gens, je pense qu'ils me suivent grâce à ça aussi. Et je pense qu'ils me suivent aussi parce qu'ils me connaissent un peu grâce à Noob. Et du coup, j'ai décidé de rendre hommage quand même au Noob en faisant en quelque sorte des photos, des vidéos, dossiers. C'est-à-dire que la série, c'est que font les Noobs quand ils ne tournent pas. Donc on les voit tourner, on les voit pendant les films, mais on ne sait pas ce qu'ils font en dehors. Donc du coup, je me suis dit, toujours avec leur permission, bien évidemment, je leur demande avant la permission, si je pouvais tourner des vidéos de eux IRL en fait, voilà. Ça s'est bien passé, il y a les voitures caravanes, donc il y avait des membres de ma famille, donc c'était assez chaleureux. Mais oui, après j'avais décidé de faire un vlog sur le Tour de France, parce que je me suis dit, ça change de ce qu'on voit. Ça change de ce que je peux faire aussi, c'est un peu plus mature comme vidéo, donc du coup voilà, j'ai hésité. Et je pense que j'en referai parce que les gens aiment bien, donc du coup je pense que je referai ça. Alors pour 2017, bonne question, parce que j'écris les scripts le jour même, parce que je fais script, tournage, montage, tout seul en fait, parce que j'ai eu des monteurs, j'ai eu 2-3 monteurs qui, bon, après ils n'avaient pas de boulot à côté, donc du coup là ils ont trouvé du travail, donc du coup ils sont plus trop là disponibles pour moi, donc du coup j'essaye de faire un peu toute seule, mais je suis contente, ma première vidéo que j'ai sortie, que j'ai réussi à tourner et que j'ai montée toute seule est plutôt bien passée, donc je me dis c'est quelque chose que les gens y verront, et puis pour 2017, alors il y aura de la convention, il y aura beaucoup de reportages photos parce que je pense que je vais voyager. Si je reviens à Paris pour le salon d'agriculture, je pense que je referai un reportage photo sur le salon d'agriculture. Parce que je suis allée l'année dernière, mais je crois que j'ai pas fait de vidéo dessus, si je me souviens. On aura du vlog aussi, il y aura du vlog quand je sortirai. Je pense que si je peux, j'essaierai de faire du vlog du TGS.
Si je peux aussi, il y aura un peu de conférence du TGS, si jamais je peux. Et il y aura, voilà, il y aura du Timon de Calice, il y aura du Que font les nous quand ils ne tournent pas. Enfin voilà, j'ai déjà prévu plein de petits trucs, mais ça, je laisserai voir sur ma chaîne.